Ma vie derrière une fenêtre. J'ai vécu près de Paris, ma fenêtre à moi donnait sur les voies ferrées. Les trains partaient le matin et revenaient le soir. Des allers-retours sur les rails, c'était vivant. J'ai confectionné des diadèmes, un travail méticuleux. Et puis, ensuite, j'ai été nounou. Je m'occupais d'enfants. Par ma fenêtre, j'ai vu sur le collège de faire entardement. Je ne voulais pas raconter ma vie, jamais écouter les autres. Assise là, je suis bien. Mathéo.